viennent de mettre le feu aux poutres et se complaisent dans ce paradoxe pour faire là avancer mais leur cheval de Troie. Voilà qu'il me revient en mémoire comme un souvenir familier, une des pensées de Courteline sur le paradoxe, je cite, « Il faut éviter. » Le paradoxe comme une fille publique qu'il est, avec lequel on couche à l'occasion pour rire, mais qu'un fou seul épouserait. Il voulait le glissement et ils sont en train de fermer un véritable passage en force sans le moindre état d'âme pour ne pas être rattrapé par la répression sanglante du 12, du 19, du 20, 21 et j'en passe, en espérant là étouffer dans l'œuf l'affaire de la fosse commune de Malouk, en dégainant aussi vite que du culotte sur ce qui tardait à venir sur les accords non respectés d'Addis Abeba, dans une offensive encore plus malsaine que maladroite d'un tripatouillage des provinces pour évincer là leur plus redoutable adversaire. Pour dans un premier temps donc les écarter et dans un deuxième tout faire pour mettre à la tête de ces provinces tripatouillées, leur gouverneur afin de tisser une véritable toile d'araignée sur la République démocratique du Congo, afin de faciliter là le glissement constitutionnel selon les règles de l'art, puisque il reviendrait au gouverneur de nommer par le suffrage indirect à l'américaine le président de la République. Même Machiavel n'aurait pas mieux fait. Il faut reconnaître que ils excellent dans l'art des pires coups, donc de fomenter là des coups bas. Voilà à peine qu'ils ont nommé quelques faucons au poste clé. Très vite, on est suivi en bain de sang. Et les faucons du peu perdé ne font plus fi de leurs intentions et seraient prêts à en découdre même avec le peuple s'ils se mettaient à travers leur chemin. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait à partir du 12 janvier, du 29, du 20, 21 et que sais-je encore. Décidé à faire plier le peuple congolais coûte que coûte, ils sont là portés par une âme de criminel avec un Beauchamp plus que déterminé et dont l'arrogance n'a de gal que lui-même. Ne vous trompez pas, ne vous trompez pas. Ils sont droits dans leur porte et mettent en exécution leur plan, non pas seulement le démembrement des provinces, mais aussi de la République démocratique du Congo, par des conflits qu'ils ont tant suscités ici et là, avec certains soi-disant séparatistes, oiseaux de mauvais augure, qui font leur jeu. À les voir faire, je n'en reviens pas. J'en viens même à me demander si réellement ce sont des Congolais comme vous et moi. Ils ont une pierre à la place du cœur. Oui, à les voir faire, je n'apprends rien, mais rien de nouveau sur leur pratique, une véritable mais copie conforme de ce qui s'était passé lors de la Révolution française,
et bien après, où la politique était devenue un jeu où l'on battait les cartes en province et qu'on jouait mais sérieusement qu'à Paris. Sauf que chez eux, nous sommes dans une dictature qui n'a aucun respect des textes qui font loi. Et tuer n'est plus un problème dès lors qu'il faut se débarrasser au plus vite des éléments gênants à leur politique. Destructrice de la République démocratique du Congo. Ils sont ce qu'il y a de pire, oui, ce qu'il y a de pire en matière de politique. Des gens qui n'agissent pas en fonction de l'intérêt général, mais en fonction de leurs propres intérêts. Cependant, ils oublient une chose. Ils oublient que la politique n'est qu'un chapitre de la météorologie. Et la météorologie est la science des courants d'air avec toutes les casseroles qu'ils traînent depuis l'accession, leur accession au pouvoir. Ils ne parviennent toujours pas à battre en retrait et à prendre en compte les attentes de la population congolaise. Oui, j'en suis intimement convaincu que tout nous sépare. Et je ne comprends pas un tel comportement et j'accuse la communauté internationale de tolérer de tels comportements qui nous font vivre dans la sécurité totale, qui nous font vivre l'enfer, où des frustrations deviennent de points de friction que n'attendent que ces vilains petits canards pour mater la population. Et je pense que il y a d'autres solutions, il y a d'autres remèdes, et ne nous imposez pas ces gens que nous rejetons du fait de leur pratique. Ça serait vraiment remuer le couteau dans la plaie que de nous les imposer. Nous avons certes besoin de bons remèdes, mais pas tant que ce remède est un agent thérapeutique, comme le disait si bien Courteline, qui guérit rarement le mal qu'on a, mais donne à chaque instant un mal qu'on n'en avait pas. Le mal congolais ne se résoudra pas avec cette bande de voyous. Tout porte à le croire du fait de leur attitude vis-à-vis du peuple. Au lieu de chercher par voies et moyens d'apaiser la situation, mais non, ils ne cessent d'attiser la situation en créant d'autres sources de conflits, en imposant leur leadership à la Staline. À croire que j'ai toujours une longueur d'avance sur eux. Tout ce que je dénonce, ils le font après. Et dites-moi, en quoi nous sommes pareils? Bien au contraire, tout nous oppose autant dans la démarche que dans l'approche sociétale et encore moins dans la réflexion idéologique, bien sûr. Ils nous ont pris en otage et ont fait de la RDC une prison à ciel ouvert. D'où mon mécontentement. Pourquoi la communauté internationale reste-t-il de marbre face à cette situation inédite en République démocratique du Congo? Le pouvoir a choisi son camp. Et en même temps,
instrumentaliser certaines institutions telles que l'armée, la police et une partie de la justice qui ne sont plus au service du peuple souverain, mais plutôt au service du pouvoir en place. Géante, mais vraiment géante, pour ces dirigeants à la tête d'un Congo qui ne cessent depuis de verser mais autant de larmes au point d'augmenter le débit du fleuve Congo. Oui, je reproche à ce pouvoir de ne pas tenir compte des textes qu'ils font loi. Et surtout, de ne pas jouer le jeu de la démocratie, le jeu de la paix, pour un peuple meurtri et plus que jamais doute de ses autorités en place. Je n'ai aucun problème avec les individus et je ne cherche même pas à les connaître et à quoi bon, si ce n'est que de m'en tenir aux actes posés par les hommes politiques, par ce qu'ils nous proposent et par ce qu'ils font. Il y a là une véritable différence d'approche démocratique et qui, de notre côté, n'a point d'état d'âme. À bon entendeur, salut. D'amour pour assouvir ma passion, telle est ma...